Salut tout le monde, je suis Razia54 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dying Light en compagnie d'Oiseau Dark. Toujours. Non, oui et non. Oui, Voilà, salut. comme vous l'avez vu au nom, je vais vous indiquer un endroit où trouver des bonnes armes. Alors attendez, sur The Following bien évidemment. Vous voyez, là on est sur le côté bas de la carte, on reconnaît bien le barrage. Vous venez à cet endroit, tu te ça, ici là. Et en vérité, vous aurez un passage. Là vous reconnaîtrez le camion. Vous allez avoir un passage. Alors attends, on va y aller. Là vous pouvez le voir à ma mini carte en haut à gauche. Qu'en vérité on est dans une zone d'ombre. Enfin, carrément une zone interdite en fait. On vient déjà ici dans le mode histoire. Regardez, on peut voir qu'on y vient déjà. C'est la mission, il faut aller chercher un masque pour le type qui est dans sa maison là. Qui est censé terminer un travail pour la mère. Alors en gros vous continuez. Clac, et vous allez ici sous l'eau. Vous aurez ces trois coffres. Il y en a deux qui contiennent des munitions et le petit dernier qui contient des armes. Fusil de police, mitraillette, fusil militaire et mitraillette putain, puce. je meurs. Alors en gros ben on a toutes les armes à feu de The Following et peut-être même du jeu en lui-même. Enfin les principales en tout cas, je parle pas des fusils à pompe. Non, y a pas le pompe. Il n'y a pas le fusil classique non plus, je crois. Bon, voilà, c'était ce petit tutoriel tranquille pour vous indiquer où trouver des armes. Si ça vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu, vous commentez. Wajo, t'es où? Laisse spawner en haut des vidéos. Pour terminer, je vais vous montrer un peu toute la carte. Petite montagne et tout. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais faire comme sur ma toute première vidéo découverte Dying Light. Putain! Arrête pas de décéder lui. Yata! J'en ai marre. The Wendigo, j'en ai marre. Ah! Je peux me sauver? Je ne peux pas. Bon, bref, c'était Raziel54, abonne-toi.